Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Sri Lanka et je voulais vous faire un gros bisou, faire ces petites vidéos dans les rues de Galle qui est au sud du Sri Lanka. Donc, le Sri Lanka est cette petite île qui est au sud de l'Inde, c'est divin. Écoutez, je peux pas dire autrement, c'est absolument magique, magnifique, plein de beaux beaux moments ici dans ce pays. Il y a les petits tuk-tuk, vous allez en voir un là qui va passer. Ah non, ça c'est une petite mobylette. Mais sinon, il y a des petits tuk-tuk de partout, ça klaxonne, il fait beau en ce mois de février. Et puis voilà, là, il y a la mer juste en face. Et aujourd'hui, je pars à Colombo, qui est la ville principale, après ce petit week-end un peu de détente en arrivant, pour faire de merveilleuses interviews. Écoutez, que demander ? J'adore ce moment de pouvoir voyager et partager avec vous... Regardez-moi cette vue, là il y a un phare. Écoutez, je découvre la ville. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, là il y a un phare. Et il y a des remparts en fait. C'est une ville qui est fortifiée. Et voilà, c'est un merveilleux moment. Là nous sommes devant l'association musulmane. Mais il y a de toutes les religions en fait ici, c'est assez fascinant. Je voulais en profiter. Ah, je m'excuse parce que là il fait vraiment chaud, écoutez. Il fait très chaud dans ce pays. Je voulais vous inviter à venir à ma conférence aussi. À mes conférences, si vous êtes à Paris, en Belgique, au Canada, en Suisse, à Paris, ça va être le 19 mars. C'est la conférence principale pour la sortie de mon prochain livre qui est Je n'ai pas de religion et ça me plaît. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Voici un petit tuk-tuk là derrière. Vous voyez, petit tuk-tuk? Ouais. Ah, c'est trop mignon! Hello! Say hello! Hello! Thank you! They're lovely! Ils sont trop sympas, les Sri Lankais. Tu leur dis non, ils comprennent. Ça, c'est agréable. Bon, ben voilà, mes délicieux co-créateurs, je vais vous laisser sur cette belle vue avec le phare et puis j'espère qu'on se rencontrera lors de ces conférences. Donc, le 19 mars, aussi en Belgique, au Canada en avril. Le livre sort un mois plus tard. Il sort début mars en France, mais il sortira un mois plus tard au Québec. Et j'ai hâte de toutes ces belles rencontres et j'ai hâte de partager ça avec vous. Je suis super contente que Frédéric Lenoir, historien des religions, qui a étudié les religions dans tous les sens, ait accepté de faire la préface de ce livre. C'est vraiment un honneur. Je vous embrasse plein de gros bisous.